Eh, vous savez que j'ai droit à une. Je crois que c'est une perquisition de la police. Qui est venue chez moi. Il y a un des policiers, je lui dis, vous savez, si vous voulez, j'ai plein de plantes vertes chez moi et tout. Je rigole ça dans la. Je rigole comme ça dans la rue quand ils ont fait la bourde. J'étais à la soirée CBD. Donc, du tribunal judiciaire. À la demande d'un juge d'ailleurs. Il me dit, est-ce que vous viendriez à la soirée CBD du tribunal judiciaire pour animer, pour faire des jeux, faire des trucs comme ça. La soirée CBD, donc les gens font des soirées avec pour thème le CBD. C'est vrai. Ça réunit tous les consommateurs de CBD. On avait plein de policiers qui étaient autour, qui surveillaient, et qui ont vu des joints de CBD qui étaient offerts par le tribunal judiciaire. Tu payes ton entrée et tu as des joints de CBD. Et c'est vrai. Et donc, tu as les juges qui ont dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Et ils ont commencé à contrôler les uns et les autres. Ils ont dit, mais vous nous pourrissez la soirée, ça sert à rien, merci. Ils ont contrôlé un juge du tribunal judiciaire. Ils ont pris une putain de PC. Ça a été trop drôle. Ils sont partis. Il y en a un qui a dit, mais moi, je suis juge. Tribunal judiciaire. Hein? T'as vu la police judiciaire, elle obéit au tribunal judiciaire. Et le juge, il fait, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est une soirée CBD qu'ils ont organisée, eux. Ok? Et j'y vais, je m'y rends. Et je veux dire aux policiers, mais pourquoi vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous fouillez? Pourquoi vous fouillez les gens comme ça? Ils vont dire, bah, on cherche des plantes vertes. Il y en a plein, des plantes vertes. Moi, j'en ai plein, des plantes vertes chez moi, si vous voulez. Ils ont réussi à obtenir un mandat de perquisition. Je dis, j'ai plein, plein, plein de plantes vertes chez moi. Plein, plein, plein. Et je le dis sur le ton, genre, j'ai plein de plantes vertes chez moi, si tu veux. Ouais, j'ai plein de plantes vertes, man, chez moi. J'en ai plein, j'adore les plantes vertes. J'ai plein de plantes chez moi. Plein, plein, plein. Mais tu les auras pas sur moi. Chez moi, il y en a plein des plantes, tu vois. Je le fais avec le ton de. Comment il s'appelle? Bon, ça. Stubby Bugsy, un peu. Et de David, bon. Le nom ne vient pas. David. Bref. Et j'ai les policiers qui viennent chez moi, je sais pas, qui nous ont dit, on a obtenu une perquisition officielle et tout. Je dis, bah, c'est bien. Ils vous avaient dit que vous aviez plein de plantes vertes chez vous. Ouais, man, j'en ai plein des plantes vertes. Tu veux rentrer chez moi et tout? Tu veux rentrer chez moi? Rentre chez moi, regarde toutes les plantes vertes. Là, je te présente, là, c'est un Ficus lirata. Alors, le Ficus lirata est appelé le tabac. C'est des plantes qui se fument, effectivement. C'est un. J'ai dit, j'ai plein de plantes vertes qui se fument chez moi et tout. Je rentre, je dis, ça, c'est le Ficus lirata. C'est une plante qu'on appelle le tabac à pipe. Hein. C'est le Ficus lirata est utilisé comme le tabac le plus naturel qui existe au monde, man. C'est une bonne plante qui se fume. Là, t'as, après, derrière, tu vas avoir ici l'autre Ficus, hein, le Ficus nain, est aussi une plante qui se fume. Tu fais des feuilles de tabac séchées avec ça. C'est légal, c'est naturel, c'est 100% tabac, zéro nicotine. Zéro nicotine, mon pote, ça c'est trop bon. Ça c'est de la bonne, tu vois. C'est du bon tabac, c'est de la bonne plante comme il faut. Et je vais faire le tour des plantes. Je dis voilà, je te présente le palmier mexicain. Le palmier mexicain ne se fume pas, par contre. Ça, c'est une plante juste pour pouvoir avoir de la bonne qualité de l'air pur, mon pote. De l'air trop pur. Et je vais sur le palmier. Je dis ça, c'est le palmier d'Israël. Le palmier d'Israël est une plante extraordinaire. C'est le pape Benoît XVI qui a pris soin de cette plante quand il est venu me voir chez moi ici. Je passe à la plante d'après. Vu ça, je ne sais même pas comment elle s'appelle. C'est une plante grimpante qui pousse partout. Elle est magnifique. Je vous conseille de rajouter un peu de terreau de temps en temps pour la faire pousser. Hein, les plantes, je sais bien m'en occuper, mon pote. J'ai plein de plantes qui se fument. Là, bon, il y a un autre, je l'ai entièrement fumé. C'était un tabac nain aussi. Je l'ai acheté chez Lidl. C'était une trop bonne plante verte à fumer. Si tu la laisses sécher et qu'ensuite tu la découpes finement au ciseau, tu peux la mettre dans une pipe et tu peux la fumer. C'est du tabac à pipe parce que c'est très difficile à rouler et très difficile à mettre en tube. Mais c'est une belle plante à fumer, c'est une plante naturelle. Je passe à la suivante. Je dis voilà, là c'est une plante qu'on appelle le dragon. Le dragon ne se fume pas. Hein. Le dragon ne se fume pas. Voilà, ça c'est une autre plante qu'on appelle la fleur de lune blanche. Et la fleur de lune blanche, man. La fleur de lune blanche. Elle ne se fume pas. Mais elle est hyper jolie. Par contre, elle se cuisine. Et là, c'est avec des petits oignons, de l'échalote, de l'ail, un peu de persil. Tu peux y arriver. Là, tu as le palmier Kentauros. Le palmier Kentauros, le palmier Kenta, qui est aussi
appelé ainsi parce que sa feuille se fend comme les pieds d'un centaure, comme on suppose qu'un centaure a ce type de pied. Le palmier Kenta est un des palmiers les plus dépolluants de la Terre, man. C'est une des plantes les plus importantes de la Terre. Là, je te présente le bananier. Le bananier nain. Le bananier, ses feuilles ne se fument pas. Par contre, il faut savoir que le bananier nain a des feuilles imperméables. Et si dans la nature, tu cherches un abri quand tu es sous la pluie, tu peux te mettre sous un bananier, mon pote. Hein. Et sous le bananier, tu verras que tu seras encore au sec parce que sous le pied du bananier, tu seras toujours au sec, mon pote, man. Et je veux dire ça aux policiers qui font la perquisition. Ils vont partir en pleurant. J'ai attends, je ne suis pas fini, je ne t'ai pas présenté l'autre. Je voulais te présenter. Mais attends, reviens. Et j'ai pas eu le temps de leur présenter donc le fameux ginseng dépolluant qui est comme une vigne dont on peut faire un thé naturel extraordinairement léger. J'aurais parlé comme ça. Si vous revenez quand? Enfin, me prévenez pas, venez au hasard. J'aurais peut-être de nouvelles plantes pour vous. Si vous aimez la botanique, il y a un des policiers qui est resté qui dit, bah moi je veux bien rester. Bah si tu veux rester, man, il n'y a pas de problème, man. Ça me dérange absolument pas. Est-ce que je te sers un thé? Je dis, bah ouais, pourquoi pas. Et je finis le service, je veux bien rester. Je lui explique les autres plantes. Je lui montre, je lui dis, regarde, là, je te montre la face de singe. On l'appelle comme ça monkey face parce que les feuilles ressemblent à des singes, à des visages de singes. Ça n'a rien de raciste du tout, c'est parce que les feuilles ont la forme du visage d'un singe. Celle-là, je l'ai acheté en centre-ville. Là, je commande chez Backer. Il y en a d'autres que je commande chez Jard. Je les récupère chez Jardiland. Des fois, j'en achète chez Lidl. Des fois, j'en achète chez Géant Casino. Moi, des plantes vertes, j'en ai plein chez moi-même. Et il regarde, il dit, vous avez dit que vous aviez des plantes vertes à fumer. Bah ouais, le ficus lyrata et les autres ficus ont des feuilles, si vous les séchez, qui sont du tabac, par exemple. C'est vrai, j'ai plein de plantes vertes à fumer, mon pote. Le ficus tabac, ça j'en ai. Ficus lyrata est un tabac naturel. Tu vois, cette plante-là, je l'ai trouvée chez Lidl, 10 euros. Eh ben, si tu t'en occupes bien, ça te fait des dizaines de paquets de tabac à fumer, qui sont tout à fait propres. Tu vois, quand tu le sèches, c'est du tabac. Le séchage de la feuille de tabac du ficus lyrata. Ok? Ben alors, c'est quoi le problème, man? Parce que j'ai pas menti, j'ai plein de feuilles, j'ai plein de plantes vertes à fumer. Ils ont fait la perquisition. Il y en a un qui est parti de policier en pleurant. L'autre qui a dit, j'ai compris maintenant, j'ai compris. Vous vous chez nous. Ben non, j'ai plein de plantes vertes à fumer, man. J'ai dit, si tu cherches des plantes vertes, j'en ai chez moi. Ils sont pas toutes à fumer. Il y en a qui sont là pour la qualité de l'air, mon pote. Et les autres, ben ouais, tu peux les fumer, les ficus. Mais il faut d'abord attendre que les feuilles, elles tombent naturellement. Si elles tombent pas naturellement, tu vas pas avoir un bon tabac parce que ça va pas être très prêt. Il faut que ça sèche plusieurs semaines avant d'avoir la qualité du tabac, mon pote. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça sèche. Et vaut mieux le fumer dans une pipe ou un chilum. Hein, c'est tout, man.